un moment où ta République démocratique du Congo a outi encore qu'on fêtait 60e anniversaire d'indépendance naye boye bayango créa kibongo ba débat ebélé na kati ba réseaux sociaux pe na ba homme politique ebélé ba beta kibongo masolo pe en plus ba kabula kibongo ya mayele oyo bango bazalaki nango nzokande ba ennemi proche République démocratique du Congo basala kibongo oyo bango République toke ne kuna na province ya Kivu ezala kibongo mikolo moleki ete drapeau moko et banaki bongo tata likolo et le baki boye la République du Kivu. Nzokande ba autorité principale ya province oyo ba beta kibongo masolo et pa gouvernement central awa na ville pour faire les kits pour koloba ete za kibongo groupe kaka ya ba jeune ba sangana ki pona ete ba mener un peu désordre na kati ya province oyo. En plus gouverneur ya Kivu ye pe le baki bongo et pa ba kondi central awa que Isali bongo ya lokuta isa bongo ba faux et usage de faux. Et ce qui encore bongoté mikolo oyo et comme encore circuler que babimi si bongo lustre ya bato oyo c'est que li bongo ba travailler le gouvernement oyo ya République du Kivu. Parmi bango combo ya mutu moko le renommé et armaki comme on a Isali bongo le docteur Denis Mukwege Isali bongo le réparateur de femmes violées. Oh, pour un rapporteur qui a pris Nobel de la paix, comme on a dit, c'est qui passe le moyen moko, le docteur Aloba Kiboye. Les Congolais, aux institutions nationales et internationales, depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux des messages appelant à la création d'une soi-disant République du Kivu, un projet bien sûr dénué de sens et qui ne rencontre ni les intérêts, ni les aspirations de notre population. Hier, le 1er juillet 2020, les instigateurs de ces complots ont franchi une nouvelle étape en publiant une liste de membres de leur prétendu gouvernement sur laquelle mon nom a été illégalement inscrit. Je tiens tout d'abord à exprimer ma désapprobation face à ces agissements qui relève de l'usage du faux et de la diffamation passible de poursuites judiciaires. Ensuite, je tiens à attirer l'attention de notre population sur le piège que cachent ces fallacieux projets d'indépendance du Kivu. Objectivement, c'est une énième tentative de déstabilisation et de démembrement de notre pays. Bon comprendre que docteur a démenti père libongo bo solo que oyo ba bimi se bongo liste wana que ye ba libongo parmi bato oyo ba participer na gouvernement wana a yebi bango te pesa bongo loko moko a lokuta boye eza bi makasi population congolaise yoka lite principal ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza bongo ko réunir province nyonso o eza bongo kabwana ekoma un parce que le Congo est un et indivisible Congo oyo ekotikalaka ata soko moketo kabwana selon idéologie ya président tout o baleka na mboka oyo pe boye bayango que ex-président ya RDC Joseph Kabila Kabange mokolo asalaka bongo discours ya état de la nation alobaka boye ete le Congo n'est pas à vendre donc même idéologie oyo mokonza mboka Félix Antoine, c'est dit le moyen d'un que Congo Oyo, Eko Kabwanate, Eko Tekamate, Eko Zerobe 1, Obe Moko. Bongolo Mesor, Mouenem.